Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter mon conte de fées, enfin qui n'est pas seulement un conte de fées, mais un conte méditatif, c'est le terme qui m'a été donné pour dire que c'est un conte avec une méditation incluse dedans pour guider l'enfant dans des mondes merveilleux grâce au petit peuple et à l'aide de la petite fée Mélisse qui est une fée luciole et qui va emmener votre enfant selon les livres, selon les différents thèmes du livre, sur un voyage intérieur pour aller nettoyer ses petites colères, ses petits stress, ses petits doutes, ses petites inquiétudes. Donc chaque livre a une méditation avec un thème précis. Sur ce premier conte, c'est autour du cœur, donc du chakra émotionnel. On a donc vraiment un voyage au niveau d'une reconnexion sur le corps émotionnel et surtout nettoyer les petites peurs qu'il y a eu, les petites tristesses, voilà. Je vous rappelle que les enfants puisent tout ce que les parents disent et tout ce que les parents vivent aussi. Donc c'est vraiment très bien d'aller les emmener se nettoyer eux-mêmes quelque part grâce à la méditation et c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir faire par eux-mêmes sans même après avoir besoin de lire le livre. Donc le livre est vraiment une clé, un atout, un début. Et puis surtout, il amène l'enfant dans une histoire féerique. On me demande souvent l'âge. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge. Alors évidemment, je l'ai quand même adapté au tout petit pour que les choses soient très simples à comprendre. Mais même un adulte peut très bien se laisser aller avec ce livre. Voilà, il y aura une sortie audio des livres, il y aura une version anglaise. Il y a beaucoup de choses que je dois faire encore. Mais déjà, voilà, je peux vous envoyer par la poste le numéro 1 et le numéro 2 dans quelques semaines, voilà. J'espère avoir tout dit. De toute façon, sur le site www.meditation-enfant.com, vous aurez des informations supplémentaires sur les bienfaits thérapeutiques de ce compte. Voilà, c'est pour aider les enfants, c'est pour aider vos enfants. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Au revoir, merci.